Ce dimanche 16 juillet, le corps de Jane Birkin a été retrouvé sans vie dans son appartement parisien, la chanteuse étant décédée en pleine nuit, de cause naturelle. Alors que ses filles Charlotte Gainsbourg et Lou Doyon n'étaient pas à Paris, c'est une tierce personne qui s'est rendue compte de sa disparition. Jane Birkin s'en est allée, mais les souvenirs de la chanteuse qui a marqué plusieurs générations d'artistes demeurent à jamais. Depuis sa disparition, ce dimanche 16 juillet à l'âge de 76 ans, les hommages pleuvent sur les réseaux sociaux, certains particulièrement touchants, d'autres jugés de très mauvais goût. Pour certains artistes, la mort de Jane Birkin ferme un chapitre qu'ils n'étaient pas encore prêts à fermer. C'est le cas notamment d'Étienne Dao, qui a publié un hommage à son ami, avec qui il avait collaboré sur l'album O. Pardon tu dormais, sorti en 2020. Inimaginable de vivre dans un monde sans ta lumière, a écrit le chanteur de 67 ans, sur sa page Instagram. Après la mort de leur mère, Charlotte Gainsbourg et Lou Doyon ont pris la parole via un communiqué pour expliquer les circonstances de sa disparition, avec la pudeur qui a toujours caractérisé la famille. Jane Birkin s'en est allée après 16 ans d'une bataille acharnée contre la maladie. Depuis son AVC en septembre 2021, sa famille et le merveilleux personnel soignant ont été à ses côtés nuit et jour. Depuis quelques jours, elle marchait de nouveau, était motivée de reprogrammer son Olympia et avait décidé de reprendre son indépendance. Ce premier soir seul aura été le dernier. Elle l'avait décidé, ont-elles écrit.